retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo de mes achats 2023 make-up. Donc je vais vous montrer tout le make-up que j'ai acheté en 2023. Il y aura des palettes, il y aura du produit pour le teint, il y aura des mascaras, eyeliner et lèvres et crayons pour les sourcils. Donc on va commencer de suite. Parce que je vous dis, il y a quand même pas mal de choses. J'aurais cru qu'il n'y avait pas grand-chose, mais en fin de compte, j'ai quand même acheté des choses cette année, beaucoup moins que l'année dernière. Je vous le dis, l'année dernière, j'avais acheté énormément l'année dernière. Voilà, vous savez pourquoi j'avais acheté beaucoup l'année dernière. J'ai eu deux drames dans ma... dans ma famille, voilà, j'ai perdu des personnes très proches et pour combler ma peine, j'achetais des choses qui me faisaient du bien. C'était un petit moment de bonheur, donc voilà, pour combler ma peine, bah, j'achetais. Mais là, je vous avoue, cette année, déjà, j'étais partie dans l'optique acheter en coup de cœur et acheter beaucoup moins. J'ai quand même beaucoup moins acheté cette année au niveau du make-up, mais il y en a quand même. Bref. Donc c'est parti, on va commencer par les lèvres. Pour les lèvres du moins, j'ai acheté un kit qui était de chez Noz, de la marque Zollbaum. Comme ça, c'est des rouges à lèvres mat et franchement, ils sont très très bien. Et pour le prix, franchement, j'étais contente d'avoir ça. Pareil, un autre kit que j'ai acheté à Noz, c'était vraiment... c'est la fureur qu'on a su qu'il y avait des choses Jeffree Star à Noz. Alors moi, c'est une connaissance qui a pu m'avoir certaines choses à Noz, du coup, dont ce kit-là. À la base, il coûtait 4,99€, mais moi, je l'avais eu moins cher parce qu'il y avait deux rouges à lèvres qu'elle m'a retiré parce qu'ils étaient trop secs. Donc, c'est des bleus comme ça. J'avoue qu'ils sèchent assez rapidement et j'avoue que je m'en sers très peu. Mais j'avoue, vu que c'était du Jeffree Star, je voulais tester et j'avoue que c'est le packaging qui m'a attiré quand même. Ensuite, au niveau lèvres, j'ai acheté sur le Vinted de Berenice. C'est un gloss vinyle de la marque Sephora en teinte 06. C'est un rouge. Donc, je ne vais pas m'amuser à swatcher, mais c'est un très, très beau rouge. Et il est joli. Toujours de chez Sephora, j'ai acheté en journée gold un gloss pailleté violet en teinte 10. Il est très joli, je ne sais pas si vous allez voir s'il fait un peu le... Il est très très beau. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai acheté un rouge à lèvres... comment il s'appelle? De la marque Maybelline. Donc ceux-là, ils font fureur aussi. Ils sont vraiment pas mal, moi j'en ai qu'un. Et c'est la teinte 15. Voilà. Quand j'étais en Belgique au mois de juillet, je m'en suis acheté un gloss de la marque Kruidvat et il est joli. Voilà. Pour les lèvres. En lèvres, ça va, franchement. Après, j'avais d'autres produits lèvres que j'achetais, mais je les ai soit revendus, soit donnés. J'avais acheté un ou deux rouges à lèvres de la marque Action, mais je les ai donnés. Donc voilà, mais autrement, pour les lèvres, franchement, ça va. En un an, ça va, ça passe. Ensuite, en eyeliner, les nouveaux eyeliners de chez Action que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, ça, j'ai pas eu le temps de les tester. Mais pourquoi pas tester prochainement. Mais voilà, j'ai pu trouver les eyeliners. En eyeliner, cette année, j'ai acheté aussi deux eyeliners. Un eyeliner de la marque Yves Rocher. Donc, je vous montre, hop là, que je casse rien. Je vous montre du coup la mine. Donc moi c'est que des eyeliner feutres. Hein. Voilà. Et un eyeliner essence. Pareil quand j'étais aussi en Belgique. Et la pointe est un peu moins pointue et fine. Mais pas mal. Franchement ils sont pas mal. Les deux eyeliner là, franchement ils sont vraiment pas mal. Ensuite en crayon à sourcils. J'ai acheté cette année deux crayons à sourcils. Quoi, deux. Celui-ci, je l'ai acheté en plusieurs fois parce que je le kiffe. C'est mon chouchou de l'année. C'est le crayon à sourcils de chez Action. Je l'aime énormément parce que sa pointe est bien fine. Je le kiffe. Franchement, je le kiffe. Je l'ai acheté, sans vous mentir, cette année 6 fois.
Là, c'est l'avant-dernier et après, j'en ai plus en stock. Je l'aime énormément. Moi, si je vois la teinte, c'est la teinte 281. Ouais, 81. Blonde. Et il est trop bien. Franchement, j'aimerais trop le retrouver. Après, j'ai le celui-là que j'ai acheté aussi à Yves Rocher. C'est celui-ci. Il est bien, mais c'est pas celui-là que je préfère non plus. Mais voilà, il fait son job. Et ensuite, j'ai acheté un mascara. Un mascara qui est très bien. Franchement, il tient bien, hein, ça pour tenir. Il tient super bien. C'est le mascara de chez Makeup Revolution. C'est un arrivage qui est arrivé chez Action. Il est bien. Il fait des jolis cils. Rien à dire. Franchement, des cils magnifiques et tout. Mais par contre, ça, pour démaquiller ça, mais alors, c'est une galère sans nom à enlever ce truc. Normalement, quand je me démaquille, moi en plus, je me démaquille au baume ou à l'huile démaquillante. Mais alors, j'étais obligée de me démaquiller trois fois les cils pour que ça s'en va. Normalement, quand je fais des gros make-up chargés, que ce soit avec des traits d'eyeliner et des mascaras basiques, ça s'enlève au bout d'un seul. Un seul démaquillage, mais là non, fallait que je me démaquille trois fois les cils. Alors il est bien, je vous cache pas qu'il est bien et tout, mais je ne sais pas si je vais le réutiliser. La brosse est to totalement bien, j'ai rien à dire. Mais alors ça, waterproof pour être waterproof, il est waterproof. Alors ça, je peux vous le dire. Ensuite, en crayon, j'ai acheté ce crayon-là de la marque Shiglam. Je l'ai pas encore utilisé. Je l'avais swatché en vidéo. C'est un crayon pour la muqueuse noir, mais avec des paillettes. Franchement, il est magnifique ce petit crayon-là. Je ne vais pas faire du swatch parce qu'il y a beaucoup trop de choses à vous montrer. Voilà. Ensuite, nous allons passer au teint parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est parti pour le teint. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a palette pour le teint, donc blush, highlighter, bronzer. Il y a des produits pour fixer le teint. Il y a du fond de teint, bref, highlighter, blush, bref, il y a beaucoup de choses. Je vous montre ma bannière des gueules. Fixante, j'ai acheté deux poudres fixantes cette année. Alors, une que j'ai entamée et l'autre qui est en backup. Donc, celle-là qui est en backup, c'est la poudre pour fixer le teint de chez Action, la Max Elmore, comme ça. La pastèque, donc celle-ci elle est toute neuve, je l'ai pas encore utilisée. Mais par contre, celle-ci, je l'ai utilisée et elle est vraiment pas mal. De chez Max Elmore aussi, je l'avais achetée justement sur Vinted à une abonnée et elle est vraiment pas mal du tout. Vraiment, elle est vraiment pas mal. C'est la première fois que je teste en plus les poudres fixantes de chez Action et c'est vraiment pas mal. Après, en produit teint, donc tout ce qui est fond de teint et tout, fil de teint ou on va dire bébé crème. Ça fait un peu les deux. C'est ce produit-là, donc c'est un fil de teint comment? Une bébé crème. Il y a un SPF de 18 et c'est la marque The Balm. Je l'avais acheté chez Nose et vraiment, il est très bien ce produit-là pour le teint. Ensuite, j'ai le fond de teint en stick comme ça de chez Action. Oui, de chez Action, oui, je l'avais acheté à Action, mais c'est la marque Max Elmore. Il y avait un arrivage, comme je vous ai dit, Makeup Revolution. Je l'ai acheté sur Vinted. Et du coup, il est très très bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Je me sers beaucoup de celui-là en ce moment. Mais pour vous dire, il est tellement bien couvrant que je ne mets pas d'anti-cerne. Parce qu'il est très bien, bien, bien couvrant. Et je l'ai en teinte F1, moi. Donc, du coup, voilà. Il est très bien. Rien à dire. Après, en concealer, j'ai acheté le concealer de chez Essence et le concealer Maybelline qui sont vraiment pas mal. Vraiment, ils sont très très bien. J'ai rien à dire. Ensuite, en fond de teint, j'ai acheté le fond de teint sur Vinted, la marque Kiko. C'est un teinte 2. C'est un fond de teint poudre, excusez-moi, qui est comme ceci et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on va passer au teint. Donc tout ce qui est blush, highlighter. Donc je vais essayer de bien m'organiser, montrer déjà les palettes. Ouais, on va montrer les palettes. J'ai acheté trois palettes. Donc sachant que j'ai acheté d'autres choses, mais que j'ai pas, sont pas encore arrivées, ils vont arriver demain.
Mais cette vidéo-là, je voulais la tourner. On est dimanche et on est le 3 décembre. Vous allez avoir cette vidéo le 22 décembre. Mais je voulais pas attendre. Mais j'ai acheté aussi en Black Friday une palette teint highlighter de chez Martine Cosmetics. Donc je vous mettrai en photo ce que j'ai acheté. Je ne peux pas vous la montrer là physiquement. En parlant de Martine Cosmetics, sur Vinted, j'ai acheté cette palette-là pour le teint. Donc c'est une palette d'highlighter. Franchement, j'adore les highlighters de chez Martine Cosmetics. Je suis fan de cette marque. J'adore cette marque. Et les highlighters se présentent comme ceci. Vraiment, ils sont magnifiques. Voilà ce que j'ai acheté cette année. J'ai acheté sur Vinted et vraiment à pas cher du tout. Comme ça, j'ai la palette et la palette pour le... Le teint est vraiment très joli. Ensuite, sur chez Noz, j'ai acheté cette palette-là d'highlighter de la marque The Balm. Et vraiment, c'est une très belle palette d'highlighter. Je me tâtais à la revendre. Mais en fait, non, elle est très très jolie. Donc, je la garde. Je dis highlighter, mais ça fait highlighter un peu blush en fait. Hein. Parce que là, on croirait d'un blush. Hein. Parce que moi, je vais utiliser que le... que ce côté-là, mais on croirait de celui-là un blush, quoi. Voilà pour ça. Au niveau palette, j'ai eu aussi, donc pas moi qui me suis acheté, c'est mon mari, mais c'est pareil, hein, on va dire, c'est voilà, c'est le même porte-monnaie, c'est pareil. Du coup, la palette essence comme ça pour le teint que j'aime beaucoup, highlighter, bronzer et blush. Et là, c'est pour les yeux. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite palette-là. Elle est très jolie. C'est une nouveauté en plus. Et celle-ci aussi, mon mari me l'avait acheté en Belgique. Hein. Ces produits-là, me les avait achetés en Belgique. Donc là, il y a des highlighters et des bronzers qui sont jolis. Je me sers beaucoup du bronzer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà pour les palettes. Ensuite, on va passer au... Ah non, j'en dis d'autres. J'ai acheté une palette d'highlighter et une palette de... comment? Blush. Sur le site de Ella Rayon de Soleil, donc son site c'est Ella, ah, je sais plus, j'essaierai de vous retrouver son site internet. Et j'ai pris du coup sur son site internet cette palette là de blush et c'est vraiment très bien pigmenté. Je l'aime beaucoup, je m'en suis servi deux fois cette année. Et le highlighter, voilà. Donc j'ai pris en teinte une et là. En teinte une aussi, je sais qu'il y avait teinte, trois teintes. Donc voilà pour les teintes. En palette, là pour le coup, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc en bronzer, en blush, blush, blush. Je cherche les blushs. Blush là, et blush ici. Ouais, y a quand même pas mal de petits blushs. Et un autre blush, normalement, ouais, là. Donc, je vais vous montrer les blushs que j'ai achetés cette année. Attends, il m'en manque. Il m'en manque. Je m'en rappelle. Normalement, j'ai dû rien oublier. Du coup, j'ai acheté ces deux blushs-là de chez Nose. Oui, bien sûr, Manon, W7. Deux blushs que j'ai achetés à normal. Et vraiment, c'est des jolis blushs. Que je fasse pas de bêtises. Voilà les blushs, vraiment ils sont très jolis. Je les aime beaucoup, ils sont bien pigmentés. Et si vous voulez les trouver, eh ben, ils sont à Normal du coup. Voilà pour ça. Ensuite chez Normal, W7 toujours, j'ai acheté ces deux petites blushs là qui ressemblent à la marque Benefit. Il est comme ceci. Voilà, j'ai acheté ce blush là aussi de la marque W7. Qui est comme ceci, qui est joli aussi, vraiment. Franchement, les produits teints de chez W7, c'est vraiment pas mal, comme leurs produits pour les yeux, les palettes, tout ça. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et en plus, c'est à petit prix. Donc, si vous voulez retrouver la marque W7 physiquement, donc en magasin, c'est chez Noz, oui, bien sûr, chez Normal, excusez-moi. Ensuite, du coup, en blush, j'ai acheté ce blush-là de la marque Colourpop. Du coup, j'ai la palette que j'avais achetée et le blush. Et le blush se présente comme ça. Donc, c'est un pêche. J'ai pas beaucoup de pêche. Et il est très joli. Vraiment très joli. Je crois que je l'avais testé en vidéo. Je ne sais plus sur laquelle.
En bush, j'ai acheté sur le site sur le site Nocibé. Donc ces deux petites blushes là de la collection Essence. Il y avait juste ça cette année qui me plaisait. Donc là, le blush Nala comme ça, qui est vraiment très très joli. Je m'en suis servi qu'une seule fois, on ne croirait pas comme ça, mais je m'en suis servi une ou deux fois. Et vraiment, il est très joli. Et c'est vegan. Et le Simba, qui est un peu plus rosé, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il est un peu plus rosé, le Simba. Et c'est des super blushs. Moi, j'aime bien la marque Essence. Ensuite, en blush, j'ai acheté le blush La Petite Sirène en collaboration avec Kiko. Donc, La Petite Sirène, qui est comme ceci, voilà. Et ensuite, le dernier blush que j'ai réussi à avoir, ça faisait, sans vous mentir, depuis sa sortie que je le voulais et que c'était en rupture de stock sur tous les sites internet. Il est revenu en stock sur le site internet, mais avec les frais de port et les frais de douane. En plus, c'est un blush qui vient des États-Unis. Donc, ça revenait cher. Donc, j'ai vu sur Vinted qu'il y était. C'est le blush de la marque Glamlight en collaboration avec Chokey. Je suis trop contente, franchement. Je suis trop contente de l'avoir eu. Je le voulais tellement. Et là, j'ai reçu en début de semaine la palette. La palette, je la voulais tellement aussi. Je vais vous la montrer après. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir eu le blush Chokey qui se présente du coup comme ceci. Vraiment, il est. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les films Chokey. C'est un film, on va dire, d'horreur. Moi, j'aime bien. Mais voilà comment se présentent les deux blushs. J'avoue que franchement, ils se ressemblent facilement. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même. Mais voilà quoi, j'ai pas trop ces teintes là, c'est la seule teinte que j'ai comme ça en blush. Il est vraiment joli, j'avoue, c'est le packaging qui m'a fait craquer. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Voilà pour les blushs. Du coup, en highlighter, j'ai acheté l'highlighter de chez Kiko en collaboration avec La Petite Sirène. J'en avais acheté deux, mais j'en ai mis un dans mon bac à vendre sur Vinted. Et j'ai gardé du coup la teinte 2, qui est comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de chez Creutzwaldt un highlighter qui est comme ceci, qui est blanc. Il est comme ça. Il est joli aussi. J'ai acheté aussi à Noz un highlighter Wet n White que j'aime beaucoup. Franchement, je sais plus, je l'avais acheté, je crois, 1 € ou 50 centimes l'highlighter. Ça vaut vraiment le coup. Et il est trop trop beau. Vraiment, il est magnifique. J'ai acheté aussi à Noz un highlighter qui est vraiment joli, qui est marbré. Il est comme ça et il est très bien pigmenté. J'ai acheté aussi du coup l'highlighter de la collection Shiglam. Donc c'est un nouveau highlighter qu'ils ont fait, je crois, pour Halloween. Et il est très joli. Vous avez dû voir la vidéo que j'ai fait ou qui va sortir ou qui est sortie. Je ne sais plus, je crois qu'elle est déjà sortie. Et l'highlighter est vraiment très joli. J'ai acheté à mon abonné. D'ailleurs, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. Je te fais des bisous. Voilà, je te fais des bisous et je vais vous montrer du coup les highlighters que je lui avais achetés. C'est ma petite abonnée que j'appelle Madame Sephora parce qu'elle travaille à Sephora. Et du coup, et ben, je lui avais acheté deux highlighters Fenty Beauty qui est comme ceci, qui est très joli. Et celui-ci, évidemment, qui est connu. Et je lui avais acheté aussi un MAC qui est comme ça. Voilà. Et sur Vinted, j'avais acheté aussi un highlighter de la marque Fenty Beauty, Manon, mais oui. Avec toutes les marques là dans ma tête. Too Faced. Voilà. Qui se présente. Oh, excusez-moi. Qui se présente comme ça. Qui est trop beau. Il est comme ça. Trop, trop beau. Voilà les produits pour le teint que j'ai acheté cette année. Bon, c'est parti, on va passer aux palettes. J'ai deux bacs remplis de palettes.
Bon, on va commencer par le plus grand, comme ça sera fait. Alors, cette année, j'ai quand même un petit peu cracouillé sur des palettes. Petit prix comme grand prix. Gros prix même, je dirais. Il y en a une, c'est un grand prix, mais j'ai eu à pas trop cher sur Vinted. La plupart, c'est sur Vinted, ou je vous dirai sur quoi je l'ai acheté. Tout d'abord, chez Shiglam, je me suis acheté ce coffret-là. Donc, je ne l'ai pas acheté sur Shiglam, il était en vente sur Shiglam, mais je l'ai acheté sur Vinted. Donc, c'est le petit coffret que de palettes. Il vendait deux coffrets. J'ai le petit chapeau là qui s'est décollé. Faudrait que je le recolle. Bref. Ils avaient vendu quoi ils avaient vendu ils avaient sorti ce coffret là seul, donc que les palettes. Moi j'ai pris que les palettes, ou le gros coffret où il y a les palettes, les rouges à lèvres, pinceaux, je sais plus quoi. Et moi j'ai pris que les quatre petites palettes. Je n'ai toujours pas testé, ça sera bientôt à tester, vous verrez. Donc je trouve que quand on ouvre, vraiment ça fait joli. Déjà quand on ouvre, ça se présente comme ça, hein. Je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai montré dans un haul, et il est comme ceci. Voilà. Donc il y a quatre palettes. Oh, il s'est décollé totalement. Je vais leur coller le petit chapeau. Du coup, il y a quatre palettes de quatre maisons. Les quatre maisons, évidemment. Donc vous avez celle-ci. Hop, ça, je gagne jamais. Donc ça, je vais faire un crash test dans pas longtemps. J'ai fait. Il y a celle-ci, j'ai fait, je sais pas ce que j'allais dire. Et elle était vraiment toute neuve. La personne l'a achetée, mais elle l'a jamais utilisée. Teinte bleue comme ça. Celle-ci. Et du coup, celle-ci. La maison verte. Voilà. Voilà pour. Franchement, les deux là, ils ont l'air vraiment magnifiques. Voilà pour ça, pour le coffret Harry Potter. Plus c'est trop bien, ça tourne là. Il faut que je recolle le petit chapeau. Sur Vinted, pas du tout. Sur Shein, j'ai acheté cette palette-là, que j'ai pas encore testée non plus. Cette année, j'ai pas fait beaucoup de test make-up, hein. J'ai essayé de me concentrer sur le plus important. Mais il y a encore pas mal de choses à tester. Donc celle-ci, vraiment, je la voulais tellement. Elle est revenue en stock cette année. Elle est trop belle. C'est des couleurs dark. Et aussi, j'avais avec la palette le highlighter. Et elle est comme ça. Avec des petits papillons. Voilà. De chez Shein, j'ai acheté celle-ci. Évidemment. Obligée. Je sais plus si c'est. Alors, je la mets là. Je ne sais plus si je l'ai acheté cette année ou si je l'ai acheté l'année dernière. Je ne me rappelle plus, le temps passe vite que je ne me rappelle plus. Donc je la mets quand même, c'est pas grave. Elle se présente comme ça. Je vous avoue que celle-ci, j'aurais bien voulu la revendre. Mais franchement, c'est quand même collector une palette comme ça. C'est la palette de la chocolaterie, là, le film chocolaterie, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, avec le petit ticket d'or. Donc Harry et la chocolaterie, je crois, c'est. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors moi et les films, ça fait deux. Allez hop, mets-toi là-dedans. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté cette palette-là, qui est magnifique, qui est très bien pigmentée, qui est une des meilleures palettes Shein que j'ai achetées. Vraiment, elle est magnifique. Vous avez vu, j'ai fait un crash test make-up de cette palette et elle est somptueuse. Vraiment, elle est très bien pigmentée. C'est du beurre. Franchement, je l'aime beaucoup cette palette-là. Très belle. Je crois que c'est bon, Shein. J'essaye de vous montrer marque par marque, mais je crois Shein, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout Shein. Ensuite, Anose, j'ai acheté une palette comme ça qui m'a coûté 5,99, mais en vérité, c'est une palette qui est vendue sur un site américain. Je me suis renseignée et ces palettes-là vaut 50 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Et du coup, j'en avais acheté pas mal pour offrir. Et j'en ai gardé une pour moi. J'ai gardé celle-ci. Parce que ça fait vraiment des couleurs automnales. Et les couleurs vraiment que j'aime bien. Donc voilà, la palette, je ne l'ai pas encore testée. Mais voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Mais c'est une marque franchement qui coûte cher. Hein, 50 euros la palette.
Et je l'ai payé 5,99 hein. Je vous montre le prix. Vraiment, je suis contente. J'ai acheté du coup cette année deux palettes Colourpop. J'ai acheté cette palette-là. Disney, donc les sorcières, il m'en manque une. J'en ai deux, mais il m'en manque une. Et franchement, celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est pratiquement neuve. Je l'avais achetée à Céline Savy. Et elle est très jolie. Regardez-moi ça, les teintes. Violet, vert, évidemment, c'est tout ce que j'aime. J'ai acheté du coup celle-ci, vu que j'avais le blush avec. C'était un lot. Sur Vinted aussi. Donc toujours la marque Colourpop. Hop là! Voilà. Et elle est très jolie aussi. Ma nouvelle palette de cette année que j'ai achetée sur Vinted à pas cher. Je l'ai payée, je crois, 5 euros de moins. C'est la palette en collab avec Sephora Marie en caméléon. Donc voilà. Je l'ai testée aussi en vidéo et je la trouve pas ouf non plus. Mais il y a des teintes qui sont pas mal à retester. Mais si elle me plaît pas, je la revendrai. Mais pour l'instant, je la garde. Voilà. Allez. Comme ceci, j'ai fait un crash test make-up il n'y a pas longtemps, je crois, au mois de novembre. Donc, je vous laisse aller voir si vous voulez voir ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai acheté, du coup, comme palette, j'ai acheté une palette comme ça à Aldi, je cherche le nom. Et franchement, très bien pigmentée celle-ci. Elle est très jolie, vraiment, j'aime beaucoup. Ça ressemble un peu aux palettes Urban J'ai acheté Decay. aussi Une palette Forever Flawless. C'est la seule que j'ai achetée cette année et que j'ai pas encore utilisée. Elle est toute neuve. Je l'ai achetée, je crois, cet été. Il faudrait peut-être que je la teste quand même, mais j'ai tellement de trucs que voilà. Très jolie dans les teintes violet. Et on va finir dans les plus petits prix. On terminera par les plus gros prix. Les palettes Action. Donc cette année, voilà, j'ai réussi à avoir toutes les palettes Action, sachant que quand je tourne, je crois que je vous l'ai dit, nous sommes le 3 décembre. Et actuellement, il y a encore une nouvelle palette qui est sortie. Donc d'ici là, que vous allez avoir la vidéo le 22 décembre, je pense que je l'aurai déjà. De toute façon, si je l'ai, je vous la montrerai dans un haul. Mais je vous montrerai la palette que je vais avoir. Donc c'est sûr que je l'achèterai cette année. Donc je vous la montrerai tout de suite. Voilà pour les palettes Action. Donc les trois petites palettes comme ceci. Donc j'ai même pas utilisé pour vous dire. Je les ai même pas testées du moins. Donc elle est comme ça. Faudrait peut-être que je fasse trois looks. Trois looks, trois make-up. Un de ces jours. Mais bon, ils sont plus en vente pour le moment. Donc il faudrait peut-être que je les teste quand même. Parce qu'en plus, ils sont pas mal. Ils ressemblent un peu aux palettes, je trouve, à Huda Beauty, moi. Je trouve certaines petites palettes comme ça, je trouve qu'elles ressemblent un peu au Huda Beauty. Après, il y a eu celle-ci que je trouvais jolie, mais pas si terrible que ça. J'ai vu mieux pigmenté au niveau des palettes Action. Donc, c'est la Five Factory. Voilà. En Five Factory, c'est pas ce que je préfère le plus. C'est par exemple celle-ci. Voilà. C'est les seules qui sont sorties cette année. Il n'y a que eu celle-ci. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc celle-ci, et il y a sa petite sœur qui va sortir. Donc comme je vous dis, je vais vous la mettre là. J'aimerais trop la voir aussi, elle a l'air trop belle. Mais du coup, cette année, ils ont sorti aussi celle-ci, qui est vraiment très jolie. Ça, c'est dans les teintes orangées, ça fait vraiment automnal. Hein. Et ça, franchement, c'est quand même mieux pigmenté ce format-là de palette que celle-ci, clairement. Sorti celle-ci, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a cette partie-là. En plus, je l'ai testé, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Du coup, avec deux côtés où il y a des fards à paupières et un côté où il y a le teint highlighter blush bronzer. Franchement, c'est une palette complète et je la trouve bien pigmentée celle-ci par contre. Et mes chouchoutes que j'aime tendrement au niveau des palettes Action, c'est les meilleures. Je trouve que c'est les Max Elmore. Donc, ils ont sorti 4 cette année et vraiment, c'est mes préférés. C'est mes préférés, donc ils ont sorti ces quatre-là cette année. Donc celle-ci, c'est la dernière. J'ai réussi à l'avoir grâce à une abonnée. Et du coup, voilà.
Donc, ils ont sorti du coup celle-ci, que je trouve très 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 jolie. Après, souvent, ils se ressemblent un peu tous les palettes, hein. Mais moi, j'adore, je les ai tous de toute façon. J'ai celle-ci. Évidemment, j'ai la papillon. Et la petite dernière, qui est celle-ci, où j'ai fait un crash test make-up. La première vidéo de Noël, justement, le 1er décembre, j'ai fait ce make-up. Et je la trouve très jolie aussi. Voilà pour les 4 palettes Action. Et là, on va taper dans le un petit peu plus cher. Donc, un petit peu plus cher, je vous parle de la palette Beauty Bay. C'est la seule palette Beauty Bay que j'ai achetée, je crois. C'est cette année que j'ai acheté ça. Ou l'année dernière, mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est cette année, en début d'année, que j'ai acheté ça. Je crois. Je ne me rappelle plus trop. En collab avec Hello Coralie, j'ai acheté les deux palettes Beauty Bay. Collab Hello Coralie. J'ai fait des looks avec et je les trouvais vraiment jolies. Donc, elle est très jolie, mais moi, ma partie préférée de la palette, c'est celle-ci. Voilà, ça fait plus dark. C'est, je sais pas, j'adore cette. J'adore, je préfère plus celle-ci que l'autre, mais les deux sont très jolies. Voilà. Et ensuite, on va taper dans le plus cher, on va dire. Donc, j'ai réussi à voir sur Beauty Bay. Oui, Manon, bien sûr, pas du tout. J'ai réussi à voir ces deux palettes-là, Glamlact, sur un Vinted, grâce à ma copine Cassou qui regardait sur Vinted et et qui savait que je cherchais ces palettes-là. M'a dit, regarde, Manon, il y a ces palettes-là en vente. Du coup, la dame me les a vendues, le lot, et c'était vraiment pas cher. Donc, c'est les deux palettes Glamlact Scooby-Doo. J'ai pas eu le temps de les tester encore. Et je les ai achetés en début d'année, ceux-là. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique. Trop, trop belle. Il y a celle-ci aussi, dans les teintes vertes. Regardez-moi ça. Vert, violet. Trop belle. Et ensuite, il y a la palette Chalky Glam Light. Je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai achetée sur le Vinted de Emma Cup. Elle est trop trop belle. Regardez-moi ça. Comme ça, j'ai la palette et la palette de blush. Trop belle. Et Emma s'en est servie qu'une seule fois. Regardez-moi les teintes. Ça fait dark et c'est tout ce que j'aime parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de palettes dans les teintes dark. J'ai beaucoup de nude, beaucoup de vert, beaucoup de coloris, mais dark, j'en ai pas tant que ça. Donc voilà. Mais ça, c'est sûr, je garderai toute ma vie. Ensuite, en Anastasia Beverly's cette année, j'ai acheté 3 palettes Anastasia Beverly's. J'ai acheté celle-ci à mon abonné, elle m'avait fait un prix. Je crois qu'elle me l'avait revendue. Elle l'a servi, elle l'a utilisée une fois, je crois. Et elle me l'a revendue 20 euros ou 15 euros, je ne sais plus. Attendez. J'avais fait un make-up, une vidéo make-up avec cette palette. Et elle est vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup, cette palette. Anastasia Beverly. Je préfère ces formats-là que ces anciens. Voilà. Ça, je les avais achetés en journée gold, du coup. Regardez-moi cette beauté. Et celle-ci que j'aime beaucoup aussi. La vidéo va être longue, je le sens. Ça. Et du coup, voilà pour les Anastasia Beverly's. Ça. Et j'ai acheté aussi une Kat Von D. Je ne l'avais pas acheté très cher. Je l'avais acheté 10 euros, je crois. Et il me manquait celle-ci dans ma collection. Et voilà. C'est une palette que je trouve jolie. J'avoue que je l'ai acheté beaucoup pour le packaging. Les teintes, ils sont mignonnes, mais surtout pour le papillon, quoi. Et la plus grosse palette chère que j'ai achetée cette année, c'est la Patou. La Pat McGrath. C'est la seule palette Pat McGrath que j'ai. Elle est toute neuve. Et honte à moi, je ne l'ai pas encore utilisé. Peut-être que j'essaierai de faire un make-up de luxe. Quoi, j'ai pas beaucoup de luxe hein, chez moi non plus. J'ai plus de petits prix que de luxe. Mais au niveau fond de teint, j'ai pu. J'avais du Dior, je les ai finis.
On verra, peut-être que je ferai un make-up avant de terminer l'année. Peut-être cette palette-là. Elle est vraiment jolie, celle-ci. Regardez-moi ça. Elle est lourde, elle est qualitative. On voit que c'est cher. Je ne l'ai pas payé si cher que ça comparé au prix. Je crois, sans vous mentir, une palette comme ça coûte 120 euros. Oui, ça fait mal aux fesses, hein. 120 euros. Et moi, la dame, j'ai négocié le prix. À la base, il me semble qu'elle a vendu 80 euros et je l'ai acheté 60 euros. Donc voilà. Et, entre 120 euros et 60 euros, quand même, c'est beaucoup mieux. Sachant qu'elle l'a très peu utilisé. On voit bien. Mais alors, lui, là, pff, magnifique. Faudrait que je la teste. On continue. Et ensuite, cette année, j'ai acheté 4 palettes Jeffree Star, dont celle-ci. La dernière que j'ai eue dans ma collection. Je l'ai achetée sur le Vinted de... Oh, Marine. Voilà. Je l'ai achetée sur le Vinted de Marine. Je crois que c'est Marine. J'espère que je ne me trompe pas. Je crois que oui, c'est Marine. Je ne me rappelle plus. Excuse-moi si je me trompe dans ton nom, mais sa chaîne, je la mettrai là, au pire. Du coup, voilà, j'ai acheté cette palette-là. Jeffree Star. Qui est comme ceci et qui est très joli. J'ai fait, je crois, un make-up avec. Oui, j'ai fait un make-up avec qui est très joli. Regardez-moi ça. Très joli. Hop. J'ai acheté celle-ci à Noz à 4,99. Oui, 4,99 que ça vaut 60 balles. Je suis très contente de l'avoir eue grâce à une connaissance. Et vraiment, elle est très belle et je la revendrai pas celle-là. Non, non. Elle est très très belle. Vraiment magnifique. Voilà. Très jolie. J'ai acheté du coup la bleue aussi qui était à Noz, mais je ne l'ai pas achetée à Noz. Je l'ai rachetée à une Vinted qui l'a achetée à Noz. Elle la vendait un peu plus cher. J'ai négocié le prix parce que je lui ai dit que je savais qu'elle venait de chez Noz et qu'à la base, elle coûtait 4,99. Je l'ai achetée 9 euros. Donc ça va. 9 euros, ça vaut 59 euros ça. Donc la Blue Blood. J'ai fait un make-up en collaboration avec Cindy. Je ne sais pas si vous avez vu le make-up, mais il est très beau. Et très belle cette palette. Et j'ai acheté aussi celle-ci sur une autre. Sur un compte Vinted. Et celle-ci, je la voulais tellement aussi, la verte. Et je l'ai acheté tout neuf. À petit prix, je l'ai acheté 30 euros, il me semble, celle-ci. Tout neuf, hein. Hop là. Je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai achetée en début d'année. Il faudrait que je la teste. Et elle est magnifique. Dans les teintes vertes. Vertes comme ça. Et ensuite, j'ai cette palette-là. J'ai acheté une palette Morphe. La 35M. Et c'est la seule palette. Une des seules palettes. Grande palette. C'est la seule palette Morphe que j'ai. J'en avais d'autres. Je les ai tous. Mis dans mon bac à vendre et elle est comme ça. Voilà, j'ai acheté cette année et cette année j'ai acheté aussi cette palette là de chez Glamlight. J'avoue que cette année j'ai acheté quand même des petits trucs Glamlight. Hein. Donc, hop, la palette se présente comme ça. Il y a la verte, j'avoue, qui me fait de l'œil, mais bon, on se détend et elle est comme ça. Voilà, j'adore le violet, hein, vous le savez. Moi, je suis Madame Violet, Madame Vert et Madame Nude. Voilà. Et j'ai acheté trois palettes, deux palettes. Hop là, que ça tombe pas. Deux palettes Martine Cosmétique. Donc, hop, celle-ci. Elle est trop belle avec la carte bleue et tout. J'ai fait un make-up avec. Et très joli. Franchement, le packaging là avec les cartes et tout. Action, mais c'est pas écrit action. Franchement, j'adore. Trop, trop stylé. Et la petite dernière, celle-ci. Que je crois que j'ai fait aussi un. Oui, j'ai fait un make-up avec. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai testée. Et elle est très belle aussi. Voilà, franchement, c'est la plus grande palette qu'elle a fait. Et elle est magnifique. Voilà, voilà pour la vidéo de mes achats 2023.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais m'excuser de me présenter comme ça. On est dimanche, je suis en mode pyjama, je vous l'avoue. J'avais pas envie de me maquiller sur cette vidéo. J'ai à moitié la crève, donc j'avais pas du tout envie de me maquiller, mais j'avais envie de tourner la vidéo. Et voilà. Vous savez que moi, je suis nature, peinture. Je suis pas toujours maquillée dans les vidéos, même si j'aime bien le maquillage. Donc voilà pour ceci. Je vous laisse et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!